Salut tout le monde, ici Chips et Noix, moi c'est Chips et je suis avec Noix. Comment ça va, Noix? Show! Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, bon, j'ai pas forcément fait dans l'originalité, sachant qu'on le fait à chaque fois, mais le test du nouveau champion en ranked. Obligatoire. Voilà, on s'est dit, allez hop, il faut qu'on le fasse, donc allons-y gaiement. Team intéressante. Bah ouais, mais de part et d'autre, en fait, c'est assez sympa finalement. Et bon, j'ai pas fait le fou, Noix, je me suis dit, bon, parfois les carréadés, tu vois, je les teste n'importe où, là, je me suis dit, bon. Gobot, je sais pas trop ce qu'il vaut ce champion en fait, j'ai beaucoup de mal à me faire une idée. Il y a des gens qui disent que c'est pété, il y a des gens qui disent que c'est nul à chier. Et moi je sais pas, tu vois, donc bon, je fais la classique Doran Blade. Alors, les sorts. Eh bien, les sorts sont passifs. Ah, ça m'a oublié encore. Ouais. Ah oui, ça c'est toutes les. Quand tu lances une compétence, la prochaine attaque c'est un double shot. Effectivement. C'est plutôt pas mal ça. Imagine, t'as beaucoup de critiques sur lui, tu peux caler deux crits. À la façon d'un Master Yi, par exemple. Donc son A. Son A, donc, c'est... il tire en ligne droite depuis lui-même. Donc un espèce de rayon laser qui traverse tout le monde. Je sais pas, ça a l'air d'avoir une range OK au niveau des dégâts 80 okay. plus 17. Le ratio, honnêtement, est... Ouais. Ouais, il est pas fou. Ils ont fait un petit truc pour pas que ce soit OP en termes de push. Hein. T'as vu le 75% ouais. au creep. Le ratio est pas fou. C'est toujours mes contrôles ici. C'est possible. C'est toujours pareil, ok. Donc je vais jouer au Smart K, je pense. Ça, c'est assez intéressant. C'est un espèce donc ratio mix. Et en fait, ça se à l'endroit d'impact, ça se transforme en étoile. Donc ça fait des dégâts en zone. Et. Et d'accord. Et quand quand t'as des mecs qui se font toucher, tu prends un petit bonus de move speed. Enfin, quand les mecs sont touchés oui. par la marque et que moi je les hit après. Ouais. Donc voilà, enfin que je leur fais des dégâts tout simplement. Alors il a un petit dash intéressant que j'ai testé d'ailleurs, qui passe à travers beaucoup de walls quand même. J'ai pas testé les plus gros, donc peut-être que vous aurez le droit à quelques fails en comme direct. Tristana, si Killing Kills, c'est un de ces deux trucs là, ouais. Faut voir. C'est quoi? C'est Killing, c'est pas l'ulti. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ton ulti, tue quelqu'un ou ça reset. Voilà, et tu peux l'utiliser donc pendant l'ulti. Et tu peux passer à travers les murs. Ouais, voilà. Parce donc ce n'est pas le cas pour tous les dash. Donc là, on va peut-être... Voilà. Bon, alors le ratio n'est pas énorme, mais là, vous avez vu le double hit, ce qui est assez sympa. Je pense qu'au niveau de la micro, si tu gères bien tes cooldowns, ça peut être pas mal. On arrive un peu late sur la lane. Donc, on va voir ce que ça donne. Sincèrement, j'ai aucune idée de s'il est bien c'est ou pas quel champion. C'est héros où après chaque auto-attaque, il faut que tu peux utiliser ta compétence Riven pour... Ouais, Riven, voilà. Enfin, t'as une auto ouais. plus puissante derrière, donc c'est effectivement, ça. T'as une espèce de micro également au niveau des dégâts niveau en fait. Des autos, ouais. Voilà, genre pas enchaîner ces 3 sorts, mais plutôt faire attaque sort si c'est possible. Bah, tu peux le faire, mais parce que tu peux stacker jusqu'à 3 stacks de passifs, il me semble, sur Riven. Donc bon, voilà, dans tous les cas, il faut micro un peu. C'est fou parce que je me suis remis à jouer à support à fond là, je commence à reprendre un peu de niveau, mais maintenant j'ai l'impression que. Les supports savent pas ward en fait quand tu regardes sur le jeu. Après avoir eu l'intensif LCS, tu vois des wards dans tous les coins. Je suis atteint par la même frénésie. Oh, c'était nul ce que j'ai fait là. Et je dois dire que ça. Voilà, alors il y a 0 ward river. Attends, je vais essayer de le gêner un peu le blitz là parce qu'on a les creeps avec nous. Faut pas lui laisser prendre le contrôle du blitz. 1-1. Il les tente. This time. Ouais, j'avoue qu'en plus il m'a. Et ton ulti fait quoi d'ailleurs? On en a pas parlé. Mon ulti en fait c'est. Tu tires devant toi. Tout simplement. Tire devant toi, bon je vais prendre le dash maintenant, je pense que contre un blitz contre c'est un pas blitz, surfait. Ouais, c'est pas dégueulasse, c'est ton dash, on va dire la taille d'un dash de Graves environ, c'est le même principe. Je me demande c'est pas plus petit même, sincèrement, oh là là. Ok bon, je crois qu'elle est cuite. Hein. Ok. J'essaye de gâcher le flash malheureusement. Tu vas te prendre... Allez, le passif qui touche. Ah, bon gank là, bon gank ah, de bah la... Ah bah non, erreur de warding. Ouais, bon, et présence du jungler en face. Présence quoi. Du jungler, ouais. On va dire ça. Bah là disons qu'il n'y avait pas du tout l'information, voilà, il y a pas de ward dans le tribush, il y a pas de elle avait pas placé de ward au raid. Mais c'est pas grave qu'elle meure là à la limite, tu vois, ça me fait plus XP. Ouais, avec le double coup, ça fait son taf. Pour la steal sous la tour, ouais, ça peut être intéressant comme champion. Tu t'as peut-être pas trop de difficultés à la steal, enfin je dis ça, j'en ai loupé quand même, mais oh là là, on a de nombreux kills en ce début de partie. Vive la YOLO Q. Ah merde, dommage. Et du coup, alors. Bah écoute. Mais il a pas de stéroïde ? Bah son passif c'est un stéroïde en soi. En soi c'est un stéroïde, en soi, mais il n'y a pas de stéroïde de vitesse d'attaque en fait. Ouais, alors bon, je sais pas ce que je vais maxer, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui sont évolués par le Q. Donc je vais prendre le Q tout simplement, toujours mieux le Q quoi.
toujours mieux. Toujours la meilleure option possible. Prenez bien sûr quand vous le pouvez. Bien sûr. Toujours le, bah, le choix de... Oula, 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 pas loin. T'as quoi comme range sur ton A? Bah écoute, une range... À force de parler. Une range pas dégueu. Attends, je vais cliquer sur le truc, tu vas pouvoir voir. Bon, je vais le faire là. Tiens, regarde. Ah, ça va. C'est pas mal, hein. C'est pas bon, mal. C'est le, pas le tir mystique, le truc, c'est que ça doit être lancé à partir de toi, tu vois. Un peu comme le cône de Annie. Donc faut, ouais, faut un peu prendre l'habitude au niveau du spell. Mais enfin, voilà, bon, rien non plus d'insurmontable, quoi. Ah, il a une bonne range, hein. Ouais, alors son shuriken a vraiment une grosse range. Est-ce que ça vaut pas le coup pour Arras de max le shuriken, du coup? Genre, bah, en AP hybride, c'est quoi le ratio du shuriken? Je serais curieux en AP. Je sais pas que du tu fasses tout, un Doran Ring un moment pour voir. Ok, quand j'aurai trop de sous. Quand j'aurai trop de sous, noix promis. Mais moi, une warp dans ce buisson, Zaira, ou mets un bourgeon. Contre un blitz. C'est chiant, quoi. Bon, ça va que pour l'instant, enfin, j'ai pas l'impression d'être trop sous pression, mais. C'est tellement revenu sur le leader, les Zaira, tu trouves que ça? Ouais. Assez affreux. Ça fait bien le taf, hein. Alors, c'est quoi leur jungler d'ailleurs? Parce que j'ai. C'est Karma. Ah, c'est Karma, c'est Karma. Bah, elle est venue vous mettre une pastille tout à l'heure. C'est vrai, mais tu sais que j'ai même pas vu du coup. Oula, oula. Là, tu vois, par exemple, j'ai fait mon cul et genre, comme j'avais pas l'indication de range, je me suis fait un peu avoir en mode. Bon, c'est pas grave, ça risque rien. Ouais. Arras. Pff. Ah, moi, ça s'arrête à la première unité? Ok, je viens d'apprendre un truc. Intéressant. Test en live, on sait. Je pense que le moment le plus drôle, ça va être sur mon premier ulti, quand je vais pas savoir quoi quand faire. Tu vas le mettre à côté, ah ouais. Comme un yinche. Tu vois, alors, ouais, j'avoue que la range, elle est vraiment assez strong, quoi. On repasse gold de 3 pour moi chauffer. Ouais. J'ai eu plusieurs fois ma promo en gold de 3, mais à chaque fois, ça veut pas, c'est marrant. Ouais, je pense que j'ai pas tardé à passer. Le gold de 1 sur Arcanum, attention. Allez là, solide. Et sur ton smurf, t'es déjà en... Je descends en chute libre sur mon smurf, je gagne rien. Ouais. Mais j'ai pas envie de me foutre. En ce moment, j'ai vraiment envie de jouer support. Et du coup, même quand je peux, je supporte et c'est pas le mieux pour carry la solo queue. Adieu. Tu devrais pas rester. Oh, des bons dégâts quand même. Bon, tranquille. On peut m'avoir, ok, je m'en sors. Tranquille, et ça a l'air un peu d'être la Bérésina dans votre équipe. Bah, le problème, c'est ça gang dur quand même, Karma, quand il pense. Hein. Bon, là, je crois que je vais abandonner la lane. Ah, bon, non, ils ont envie de push. Je vais récupérer ça. C'est quoi, 2-5? Bon, souviens-toi à la partie avec Singh, moi. On peut pas commencer plus mal, je pense. Non, c'est vrai. Et je suis tombé, j'ai dû faire un Singh jungle parce qu'en fait, le mec avait pris une vie, avait feinté qu'il allait jungle sans répondre. Et du coup il allait top, donc j'ai dû aller jungle avec un Singed, je me suis fait éclater le cul par contre. Et du coup tu savais ce que ça donnait, comme ouais, tu m'as vu le jouer de façon brillante. Exactement, j'ai essayé de reproduire la même chose mais je me suis fait éclater. Qu'est-ce qui s'est passé genre, parce que moi pourtant on m'a counter et tout, c'était chiant. Je me suis bien fait counter mais on a bien perdu sur toutes les lanes aussi. Ok, ouais. Shit happens. Alors bon, je crois que je vais mettre un coup d'ulti pour des push, tu vois. Tu peux laisser push, hein, ils vont back là. Tu peux au moins faire deny la vague de creep. Je pense que tu fais un gros push, ou sinon tu fais un gros push et tu vas régène. Bon allez go. Ah, ça s'arrête au truc devant. Oh lol. Comment t'as fait ça? Bah j'ai mis ulti quoi. Non mais attends, mais faut voir la range. Non mais en fait ça s'arrête au premier creep, je pense. C'est ça le truc. À la première cible, pardon. Faut voir la range. Bah du coup je l'ai pas. Non mais voilà, ce sera pour le prochain essai, mais en tout cas ça dépouche, hein, genre ça déconne pas en vrai. Hein. Qu'est-ce que ça donne en teamfight? En fait ça ressemble à une sorte de ulti MF qui se lance. Hein. Bah j'ai l'impression, ouais, mais le truc c'est que tu passes pas au travers, donc tu vois le temps que tu lui déboîtes forcément la tête. Je me demande du coup si un petit, comment ça s'appelle, si un petit coup près noir ça pourrait pas être sympa ou un truc comme ça. Coup près noir, ouais. Ah ouais, ils sont attends. Drake, hein, ils sont en Drake tes potes. Ils sont en Drake. Ok, je vais les aider. Parce qu'attends, du coup, physical damage, ouais. Ouais, donc c'est bien du physique. Allez. Hop, hop. C'est bon, on se le fait tranquille. Et en plus, c'est moi qui prends le last hit, noix. Parfait, solidité. 25 gros gold. Complètement mérité. Bah, prends-toi une grosse BF. Hein. Bah, tu sais quoi? Franchement, soif de sang. Hein. Moi, j'aurais fait en Genja build. Parce qu'il a que des sorts de burst. Il a cette sorte de grève. Genja build, tu fais soif de sang... Dernier souffle, ouais, franchement, c'est dernier son. Comment ça, à la fin, couperet noir. Je pense que tu mets des claques, ouais, voilà.
Je pense vraiment que tu dois mettre des claques. Je vais, je pense qu'après je vais partir sur ma soif de sang, ouais. Parce que, mais je pense aussi que le crit c'est pas mal sur ce mec parce que. Mais le truc c'est qu'il faut, il faut choisir quoi. Si tu fais un, si ouais, tu fais un bon double coup à 300-300, c'est pas, ça fait le taf aussi. Ouais, allez, allez. C'est vas-y, pas un crit, vas-y. Mais ça fait des autos. Donc le planning quinquennal de mon Lucian noix, soif de sang après ça. Ouais, et Lucie est déjà revenu hein. Ah ouais, donc. C'est combien le CD? C'est 90 secondes. Ah, quand, c'est bon, c'est pas en fait, si court que ça. Et on va voir ce que ça va donner. Par contre, il faudrait qu'elle me touche un hook, peut-être la Zaira, ce serait pas mal. Ouais, que. Enfin, un hook. Niveau, niveau 5, attends au moins son niveau 6 pour prendre une fight quelconque. Il va tenter de me hook après, bah oui, forcément. Ça se sentait, ça se lisait tellement qu'il voulait. Ah, faire... c'est maintenant, on a. Voilà, on a tous les mêmes strats en tant que Blitz. Non, pourquoi tu m'arroutes ça? Ah, attends, je tentais de la race, donc. Mais je crois qu'en fait, l'ulti, si je déclenche là, ça va tirer tout seul, tu vois, donc. Zaira, cueillir des champignons, qu'est-ce que ça donne sur les autres lanes? Ah. Oh, la karma. La karma est dans le coin, elle est pénible, hein, elle nous. Elle est en train de pas mal nous. Nous emmerder. Oula, oula, oula. Je me suis encore fait avoir par le truc. Il y a un jungler hein, qui est derrière. Ah, il est là, il est là. Il est propre. Alors, si Zaira pouvait mettre une ward dans le buisson de gauche, ce serait vraiment parfait. Bon, là, le truc qui vient, c'est qu'on peut lui faire perdre du temps. Ah, attends, à moins que le Ramus arrive. Le Ramus arrive, le Ramus. Ah, fais voir, balance un gros. Oula. Oula, attends, mais là le problème c'est qu'il y a beaucoup de. Ouais, non, il y a le son, mais il y a Karma, il y a Ramus qui est venu en défense. Et il l'avait vraiment pas capté, hein, je pense, Zaira. Oh, mec. Oh, ah oui, là j'ai pris cher. Oh, j'ai pris cher, ok. Bien c'est joué. Bon, on s'est encaissé par Powerlock. Je me suis un peu repositionné, quoi. J'avoue, j'ai pris très cher. Plus que ce que je pensais. Putain, il reste là. Ah, mais j'ai un ulti, hein, moi j'ai pas. Il est en train de défoncer ta Harry qui a 1-3. Harry. Après, il farme très mal. Harry, hein. T'as parce que t'as dit Tariq. J'ai dit Harry. Non, j'ai dit Harry. Non, t'as dit Tariq. Non, je crois que j'ai dit Harry. Je suis pas sûr. Dans les commentaires, hein, dites-nous. Oh, attends, le problème c'est qu'il a un shield, j'ai pas envie. Balance sur un ulti. Vas-y. Shield. Oh, t'as plus shield. Attends. Là maintenant. Ouh, le red buff. Ouh, c'est chaud. Ok, tu fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein. Bah j'ai pas eu l'impression d'en faire énormément, j'avoue. Enfin, lui tire, relis-moi le truc, comment... 40 plus 17 à chaque hit. Enfin, c'est pas dégueu, si quoi. Si tu prends tout, mais en fait, faut l'envoyer ça à lancer en plein milieu. Si tu mets tout, ça fait pas mal de dégâts, mais faut tous prendre. Genre tout sur un Shogat, ça peut être rigolo. Sur un Shogat? Bah un Shogat, il est gros, il prend tout. Ah oui, d'accord, ouais. Mais parce que pourtant, enfin, quand tu fais le total de 14 shots... 800 dégâts. C'est énorme, moi, mais bon, le truc c'est qu'il faut tous 800 divisé par 14. Je pense qu'en 1v1 pur, je pense que c'est un perso qui doit être assez relou. Mais j'avoue qu'en fait, pour bien utiliser, il faut voir tes dégâts de ton A parce que j'ai l'impression que ton A il fait pas grand chose. Hein. 200 plus 72, c'est pas monstrueux non plus. Hein. Et ces zones, ouais, c'est ces zones. Ah, c'est pour ça, je suis pas sûr quand t'as que des trucs de zone, donc en 1v1, je sais pas comment ça marche. Bah je sais pas parce que si tu channel tout ton truc. Je pense que tu te prends Ezreal dans les dents, t'es pas bien. Hop. Bah parce qu'il va pouvoir te jump un peu et ouais en fait comme c'est devant toi il faut te repositionner et tout, j'avoue c'est spécial à utiliser mais bon on va pas se plaindre de. Alors quel était le fait qu'il y ait de... Quel était le but de cette promenade dans les buissons? Bah je sais pas, aller voir justement promenade hein, comme tu l'as dit. Il faut voir les dégâts du Zen. Non mais y a pas de. Ah 100 plus 41. Mais le ratio est Non le ratio est moins bon. Le ratio est moins bon. Les ratios sont pas monstrueux, mais c'est là-haut. En même temps, il a 3 trucs d'AO sur lesquels il scale, donc ouais. Tu peux pas lui mettre des ratios de port, sinon ça va devenir n'importe quoi. Remember Graves à l'époque, hein. Graves à l'époque c'était vraiment... Ouais, le ulti qui te mettait la moitié de ta vie, le bugshot ulti qui te défonce au niveau 6, tu prends avec un tarif, tu prends les bugshot ulti stun... Ah, mais j'ai vraiment envie de trade en fait. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Il a failli t'en donner l'occasion. Ouais, mais pour le coup, je pense que par contre, si je me fais engage. Aïe! What? Pourquoi ça allait par là? J'ai pas compris. Pourquoi j'ai visé vers le bas?
En fait, il s'est barré et ça a touché personne. Attends, mais non. J'ai l'impression que ça en fait, ça channel dans le sens où tu l'as mis. Dans le sens attends, où tu l'as. Attends, il s'est fait choper, Zaira. Oh putain, c'est con ça. Attends, je vais leur mettre un peu la pression. Ouais. En fait, j'ai l'impression que ça channel dans le sens où tu le lances tout simplement et qu'après tu restes dans cette position là. Ouais, c'est ça. Mais vraiment quoi, c'est l'impression que ça m'a donné. Ils le disent ou pas non oh, hein. Une single direction. Ah oui, une single direction. Attends, tu peux utiliser quoi pendant Resonated Pursuit? C'est ton jump? Ouais, tu peux utiliser le jump en fait pour te repositionner. C'est un espèce de truc à la Matrix, tu vois. D'accord, en fait tu lances l'outil, tu peux aussi la mal fait, tu peux relancer un dash derrière. Bah le truc c'est que si tu relances le dash en fait, tu continueras à tirer dans le même sens, mais ça te permet de te repositionner. Donc d'éviter peut-être un tank qui est devant toi pour pouvoir hit derrière. Enfin, c'est franchement. Laisse-moi le truc sur ton. C'est tricky hein. Auto-attack, laisse-moi le truc sur ton. Non, tu peux bouger hein. Oui, tu peux bouger. Mais le truc c'est qu'il dit une single direction. Donc... D'accord, ouais. Donc est-ce qu'une single direction. En fait, t'as dit que la direction et après tu peux te barrer quoi. Enfin après tu peux bouger mais ça continue à tirer dans la même direction. Exactement, je pense que c'est ça la mécanique de jeu. Donc tu peux tourner autour du mec en lui blassant des trucs dans la tronche. Bah pas vraiment parce que finalement tu vas tirer dans le même sens. Ouais non, en fait je pense pas. Ok, c'est tricky tout ça Noah. J'avais pas vu toutes les implications. Tu pourras tester à la fontaine? Ouais je peux. C'est quoi le plus important? On se prend la tête et c'est beaucoup moins compliqué que ça hein. Peut-être, on va voir. En plus il y a Karma qui est en bas ouais, donc j'ai pas forcément envie de traîner sur la bot lane hein. Bon, fais un dernier souffle sinon. Bon, je vais partir là-dessus. Alors, vas-y. Alors, donc, on va dire, je regarde par là. Ok, vas-y, tu regardes par là. Tire. Ouais, c'est ça. Ouais, donc il reste bloqué tu dans peux, ce. Tu peux. Ouais, c'est énorme, hein. Tu te mets au milieu, tu te fais la Matrix Time et tu te fais toute la mid lane. Bon, en attendant, du coup, j'ai perdu ma tour comme une chef, mais. Oh, y'a moyen que ce soit super classe dans un teamfight. Oh là là. Pourquoi ils trouvent. Ah, ouais, non, y'a du monde. Y'a du monde derrière, ils ont fait sûrement le Drake tranquillement. Ok, donc. Ah, ouais, c'est. Franchement, c'est. Mais en fait, le positionnement, il est trop important sur ce personnage. Parce que si t'es mal positionné au début, ben. Ton ulti en fait il va servir mais à rien quoi. Quelle classe quand tu vas aligner un couloir comme ça. Clairement. Mais du coup le fait que ça s'arrête au premier ennemi d'un autre côté tu peux pas faire traverser les trucs sinon il faudrait que ça fasse moins de dégâts quoi. Attends ils sont en train de ruiner ouais, Ils sont en train de ruiner le très bon ulti de Zaira. Et là tu regrettes de pas avoir ton ulti Chips. Ouais c'est un Graveslike hein. C'est un Graveslike, il fait trop de dégâts. Je sais pas s'il fait trop de dégâts. Sincèrement j'en sais rien mais. Apparemment Lucen a fait des envieux. Allez, balance toutes les AOE, Chips, BAM! Ah, solide, il te reste le Q! Poulé! Coup de gun dans bullet ta bouche! Shot, bullet time! Le bon bullet time! Eh, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir mon ulti, mais bon, vous nous excuserez, on voulait vraiment en avoir le cœur net. comment il marche cet ulti? Les tests en ranked. Il y a encore des gens dans le camp qui vont faire ouais, je trouve ça assez honteux que vous ruiniez les ranked avec vos tests. Ouah, on ruine pas dans le sens où. Dans le sens où on quoi. A 2-0 ouais. Par rapport au reste de l'équipe. C'est correct. Mais enfin, ça va, hein, ça, franchement, ça se tient. Je pense que ça va être une game serrée en fait. Ils ont fait le Drake, c'est bien ça. Par contre, ça fait un peu chier, mais bon. L'ingé sang qui nous a fait un gros doigt d'honneur parce qu'on a commencé à la bourre et qu'il a besoin du matos. T'inquiète, elle est serrée la game, mais t'inquiète, ça va le faire, mec. Je sens que ma maîtrise du Lucian commence à être énorme. Ah bah du coup, pour push les tours, c'est génial parce que paf. Ça fait pas tant de dégâts que ça. Ouais, bah c'est juste mes autos, quoi. Bon allez, cours, va prendre de la mana, t'as de quoi finir ma ta BF. Ta parce que là, j'ai fait... Ah non, Sangol, va faire les loups. Bah ouais, j'ai fait un doublé dont j'ai arrêté la série 500 gold ouais 500 gold. J'ai arrêté la série du Swain. Mais du coup je me demande si l'auto-attaque sur lui ça sert à quelque chose en fait. Enfin la vitesse d'attaque je non, pense. Non je pense que tu le joues ouais. Vraiment enfin Genja build. Je pense que même la lame du roi des chutes tu vois ça sert à rien. Non ça sert à rien ouais. Enfin soif de sang couperet noir. Dernier souffle. Dernier souffle. Lame d'infini. Petite lame d'infini. Ah, le double crit, ouais. Et le truc, c'est. Après, le problème, c'est que si je prends une lame d'infini alone sans autre objet de crit, ouais. Je vais pas souvent crit. C'est un des problèmes. C'est vraiment très random bah, dans ce cas-là. Tu peux rajouter une soif de sang.
Cimetière mercurial, allez, selon la compo. Ah oui, ça c'est pas con, hein, cimetière. Surtout qu'en fait, je pense que c'est pas trop dégueu. Il y a quoi, Swain, Karma, ça peut être intéressant. Ça te fait de la D, etc. Ouais. Ça te fait ta purge. On trouvait contre un Swain, ça peut être cool. Allez, vas-y. Et de la cla. Ah. Ah. Barrière. Oh merde, j'ai barrière. Mais ouais, j'avais cliqué sur. Ah, j'ai beaucoup trop attendu. Je pensais que t'allais faire le beau gosse, t'allais regarder droit dans les yeux comme au Far West, et t'allais aligner toute l'allée principale de la grande ville. Non, en fait, c'est exactement ce que je voulais faire, mais en fait, j'ai trop grid quoi. J'ai attendu. J'avais le doigt sur barrière. Franchement, faut qu'il sorte un grid. Skin Desert Eagle doré, enfin double Desert Eagle doré. Non, mais faut qu'il sorte un skin Matrix, faut qu'il sorte 300 000 trucs. Il fait déjà très Matrix, hein. Je sais pas s'il y a besoin de le faire plus Matrix. Là, je sais pas, je trouve qu'il fait un peu dans le. Je trouve qu'il ressemble un peu à Blade, tu vois. Comme ça. Blade, il est plus baraque, hein. Ouais, non, mais après. Voilà, non, c'est pas Blade. Non, mais Blade a les cheveux courts en plus. Et blond, c'est ça? Il est chauve, Blade, non? Ah non, il a des cheveux. Non, il a des cheveux. Il a des cheveux. C'est bien ça. Je sais pas, je trouve qu'il a un air. Genre. Il fait un peu chasseur de vampires quand même, hein, Lucian. C'est quoi cette danse? Ah, très excellente question, j'avoue, c'est un truc. Attends, elle est en train de ruiner. Ouch! Allez! Bo! Aïe. Attends, j'ai l'ulti. Ah! Le quadra! Oh la vache! Et avec tellement de classe, mec! Avec tellement de classe! Oh mais même les mecs dans ma team ils disent qu'est-ce qui s'est passé. Genre, mais moi non plus je sais pas les mecs, j'ai appuyé sur ulti. Trop de hype. J'ai juste appuyé sur ulti quoi, genre je sais même pas ce qui s'est passé. What? Énorme. C'est quoi? On a besoin d'un G100 là. T'es sérieux? Je sais pas, genre. Mais surtout que c'était fait avec une classe. Non, mais genre. Inégalable. Plein de naturel, quoi. Genre, bah vas-y, chip, go ulti, ouais, j'y vais. Vraiment, tu vois le ralenti avec le mec, Equilibrium, où il avance dans le couloir en tirant avec le double gun. Voilà, je vois ça là, je vois Equilibrium. Il y a des creeps là, non? J'ai vu des creeps. Voilà, ils sont. Huch! Ah, tu commences à deal, hein? Bah ouais, là, t'as des gold, là, tu vas te faire plaisir, là, tu one shot ton dernier souffle. Par contre, le problème, c'est qu'il est vraiment très lent, quoi. Aïe, je suis dans la merde, parce que j'ai pas de cooldown. Oh, okay. C'est bon, il va sur Harry. J'ai de la chance qu'il aille sur Harry. Pourquoi l'ulti par là? Elle aurait dû ulti avant, c'est dommage. T'aurais dû ulti avant, Coco. Grid l'ulti. Elle aurait dû ulti avant, c'est dommage, c'est pas grave. Dernier souffle, one shot du dernier souffle. Il est là. Là, tu vas faire mal. Attends, limite, je me demande si. Attends. Et je me. Sachant que les shoots sont solo, le Muramana, ça doit marcher sur lui. Sur l'ulti, sur tous les shoots d'ulti, ça doit marcher. Je suis sûr que ça marche. C'est obligatoire. Ce serait énorme. C'est obligatoire. Énorme. Ah mec, il y a Cardellu qui arrive. Ah mec, j'ai fait un move, je viens de gagner un quadruplé. Je sais pas comment je l'ai fait, hein, mais je l'ai fait. Oh là là. Din du LOL, c'est Barça ou pas? Ah ouais, mec, mais c'était avec une classe, vas-y go! This is your time! J'ai envie, hein. J'ai envie. T'as mis Rooper là, ils sont pas confiants. Il faut pas que je grid parce que c'est quand même. Comment ça s'appelle? Enfin, je pense que je peux être un excellent cleaner de fight. Mais c'est un truc à vouloir rentrer à 1 contre 5 dans les teamfights juste pour la classe du move. Faut que tu regardes Cardell. Faut que tu regardes Cardell. Lucian alors? Bah écoute, j'en sais rien. Claque un ulti dans. Ah bah non, ils sont Drake. Il faut que tu claques un ulti un moment où ça sert à rien sinon pour lui montrer. C'est quoi mon farm? Ça pue la merde comme call, hein. Ouais, c'est pas terrible. Je suis pas avec eux, attends. Bah, je vais pas. C'est bon. Ça sert à rien. Bon. Back. Je sais pas quoi penser. Moi non plus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pour l'instant, ça a l'air pas si mal. Bien utilisé, moi je pense que ça doit pas être dégueu, ouais. À l'ulti, je pense qu'il peut vraiment faire le café. Bah, surtout que là franchement, j'ai masse Pené Armor. Par contre, niveau mana, en fait. Penetrator. Niveau mana, il est vraiment très, très limité. Bah, Muramana. Peut-être en early du coup. Est-ce mais... que ça se stack sur le double coup? Bah. Ah! Bah ouais. Oui, non, parce que t'as un cooldown de toute façon, genre de cas. Donc non, je pense pas, mais. Ouais, je grid. Tu joues un peu ta vie là? Enfin là, t'es un peu en train de pull comme un yinche. Ouais, je grid. Je viens d'annoncer, hein, je grid. Je joue le prochain teamfight, faut montrer à Cardellu. Ah oui, complètement. Je veux voir, ouais. Attends, si elle reste là ou pas?
Le fume là. Mec, alors là, si jamais elle s'avance, je vais lui bouche. Il y a Wukong qui descend. Ok, pas le bon plan. Si ça se trouve, ils ont une ward, ils savent. Non. Non. Attends un peu. Attends un peu, il repart. Attends. Oh. Oh là là, ce manque de courage, Caitlyn. En tout cas, ça dépouche quelque peu. Hein. C'est pas mal. Ça dépouche quelque peu. Tu vas faire quoi du coup maintenant? Bon, je pense que je vais partir sur le. Sur le cimetière. Je pensais finir. Franchement, je pensais finir mon Black Cleaver. Ça dépend, ils ont quoi comme armure en face. Ouais, il y en a un peu. Après, sachant que c'est les tanks devant moi, je pense que ça suffit ce que j'ai là. L'épée de. Divine là. Du divin. L'épée du divin sur le double coup. Bah ouais, non, parce que ton double coup va déjà vite. Et le truc, c'est que l'épée du divin augmente ton attaque speed au max pour 3 coups. Donc en fait, ça aurait pas de sens quoi. Tu gaspillerais. En se marrant. Bah ouais, mais c'est la même chose finalement quand t'as max auto. Enfin, non, c'est pas exactement la même, mais je pense que tu gâches un peu le truc si tu fais ça. Oh, il reste même pas. Qu'est-ce pour que je fais quoi? Oh là là. Oh, c'est... Je reviendrai. D'accord. En fait, j'ai vendu une Doran Blaine pour rien. Bon, il manquait un peu de gold. C'est pas grave. On va dire que je donne quelques chances en plus à l'adversaire. 280 KD. Ils en sont où tes sorts en termes de dégâts? Écoute, ouais. Ça commence à pas être dégueu. Ouais. Un petit 500 là avec la pénère. Fais voir. Et le Z? Le Z. Petit 300. Mais il a. Il est. Enfin, la zone est hyper intéressante. Et le R. Un petit 1700. 1711. 1711. Tu mets les 11 coups sur un mec? Bah c'est ça, sincèrement je pense que en 1v1 pur, après si le mec se repositionne bien et qu'il est intelligent, tu peux peut-être pas tout lui caler. Il y a Timo qui se prend la partie par le Wukong. Ça sent le trap à plein nez. Oula, non juste. Ton odorat laisse à désirer. Ouais. Becley. Uuuuuch. What? T'es sérieux, le A là. Oh, je l'ai pas tué. Oh, taunt. Attends. Il est mort, mais ça ruine derrière. C'est ce live m'a l'air un peu bizarre, Chips. En fait, attends, merde, j'ai la grosse tour. Oh là 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 là. Ah, ce dive était bien pérave. Oh, ça fait des dégâts. Elle est tankée en plus, je crois, Karma. T'as la barrière? Ouais, j'ai la barrière, ouais, mais... Tu le tente-le avec la barrière? Ah non. Si le biseau était passé, ouais, j'y serais allé, bien sûr, mais... Ah, ça, l'ulti, il lui a fait... Bah, l'ulti, c'est get back instantané. Le truc, c'est que là, je l'ai utilisé que pour une personne. Sur quelqu'un qui fuit, c'est génial. Le truc qui était pas mal, c'est que dans la fight précédente, je l'avais... comment ça s'appelle? Je l'avais utilisé, en fait, pour clean la fight. Genre, il y avait plus grand monde avec beaucoup de points de vie. Là, j'ai tout claqué sur un mec. Alors, c'est vrai que tu le fais back... Mais voilà quoi, t'as tout mis sur une personne. GG Copit. Quel boulet. Henri Kierd. Bref, alors. Le baron Nashor maintenant qui est open. Paf. Allez, c'est parti. Non, mais en fait, j'aime beaucoup toute la notion de positionnement qu'il y a avec lui, qui est hyper intéressante. Et bon, de l'arrêt du cooldown, je pense que c'est pas dégueu. Un Nashor contre un Lucian, ça doit être suicidaire. Bah, si tu te mets dans le bon angle, je pense qu'effectivement, ça doit être très dur. Ouais, ça va charge. Yari qui n'est pas là. Oh là là. Oh putain, il était vraiment nul mon truc pour le coup. Est-ce que t'as le dash? Non. Du coup j'ai même pas claqué mon ulti, j'aurais dû le mettre en fait. Ils sont relous à être là-dedans. J'aurais dû tout mettre dès le début, vas-y Timo, push. En fait je pense que j'aurais dû tout mettre dès le début au lieu de garder quoi. Oh, parce ouais. Que là le truc, en fait y'a un truc qui est un peu horrible aussi j'avoue, c'est là je m'en suis rendu compte. Quand un mec te chase comme ça, et bah tu peux pas ulti et te retourner tu vois. Ouais. Tu dois déjà te retourner vers lui et ulti. Ouais. Tu me diras, c'est pas pire qu'un ulti de Miss Fortune. Ouais mais c'est... T'es immobile. Ouais. Non mais c'est sûr c'est pas... Tu peux te faire interrompre. Ou si tu fais de scène, tu reprends à la fin. Alors ça, c'est une excellente question. Hein? Ah, tu peux cancel l'ulti. D'accord. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, j'avoue, la fight s'est pas très bien passée, quoi. Mais j'étais pas bien positionné non plus.
t'es pas bien positionné. Ouais. C'est quand même pas mal de pouvoir cancel le type pour un mec qui te passe dans le dos au moment où tu fais ton truc. Ouais, j'ai ouais. Trop ouais. Non c'est des vieilles balles devant en mode moignon. Le mec, le cow-boy bourré. Le cow-boy qui sort du saloon. Je suis désolé, je me suis fait un torticolis. J'ai pas la vision. Bon, alors c'est parti. Ce on chien va, de Kopitz. On va essayer vous de. Vous pouvez lui envoyer vos plus belles insultes, hein, Kopitz. Ah. Ouais, bien sûr qu'on peut. C'est toujours intéressant d'envoyer ses insultes à Kopitz. Allez, vas-y. Comme un gosse beau, mec. Ouais, ouais, bon, je vais me méfier, hein, parce que. Don't get cost, please. Attends, j'ai deux wards, donc je vais les placer pour l'équipe, hein, tant qu'à faire que ça serve au moins. Zera, si j'en mets là. Je la mets pas, c'est bon. Ah, il y a le Drake d'open. Ça push un peu en haut, mais ça va, on est une tour en fait. Claque un R sur le Drake. Ah non, ça arrive. Non, je vais le garder. Ça arrive. T'empêche pour zoner une entrée. Allez. Ah, finis-le ! Il est... Balance tout avant de mourir là. Mais je fais que ça, mec. Oh la vache. Allez, battez-vous. Allez, mais vas-y, où... Ramus, mets un max de dégâts. Harry qui arrive dans le tas. Le problème, c'est qu'elle soigne aussi. Allez, Harry. Ah, mets des dégâts. Non, me dis pas que la Kate, elle s'en sort. Me dis pas que la Kate elle s'en sort. C'est un ouf dans sa tête le Wukong. Ah, elle s'en sort la Kate, c'est bien. Enfin, elle est tuée, c'est bien. Ouais, mais encore une fois, je pense que j'étais vraiment mal positionné. Oui, faut quoi. Pas, à mon avis, faut vraiment que t'attendes pour entrer dans les fights. Grave. Faut pas que je mette ça au début, mais faut que le Ramus il y aille quoi. Alors, du coup, là il te reste deux slots, donc il y en a un pour gérer un bon ange gardien ou un truc comme ça. Ouais, je pense que là je vais faire un GA parce que ça fait deux fights où je me fais catch. En fait, ça dépend GA ou. Je me tâte sincèrement. En dernier, tu ferais quoi en dernier objet offensif? Bah franchement, peut-être une deuxième soif de sang. Un maillet gelé. Notre Timo, il gère. Il a combien? 4-1-5. Ouais, bah ouais, il s'en sort bien, ouais. Du coup, qu'est-ce que je vais faire, Matt? Franchement, je... Ouais, j'avoue, je vais faire de la défense. Hein. Je vais me faire un petit maillet gelé. Maillet gelé, c'est fun. Hein. Maillet gelé, je vais me faire un... Pardon. Ah, attends, Trinity, c'est peut-être pas dégueu avec Trinity, lui. C'est peut-être pas dégueu. Parce que. Ah, j'avoue, parce que. C'est peut-être pas dégueu, faut voir. Ça dépend au niveau des cooldowns. Ça donne quoi? 9 secondes, 4,5, 12,6. Il a ça qui est vraiment court. En... Mais ça, le truc aussi, c'est que ça t'immobilise un peu. Donc c'est un peu est-ce engageant aussi. Tu peux aussi, pas hein. Jouer en Blue Lucian. Bah, honnêtement, peut-être. Mais je pense que Muramana, c'est. C'est peut-être pas dégueu sur lui, ça mérite d'être testé. Oui. Dites-nous si vous, dans les commentaires si vous avez déjà fait un build à la base de Muramana sur Lucian, s'il y a des joueurs. Et soyez honnête. Bien sûr, genre dites-nous c'est bien, c'est pas bien, on lit les commentaires, hein, donc... Rentrer dans le buisson très classe. Ah, c'est le perso du style. Ouais, c'est vrai que pour le coup, il a vraiment beaucoup de style. Ah, j'aimais pas du tout l'effet... La présentation Bah, l'aspect la veste en mode machin truc, mais je trouve que les animations, par contre, ont vraiment une classe absolument par incroyable. Ah oui, le truc que je vais faire obligatoirement sur lui, c'est les enchantements fureur. Ah ouais. Parce que du coup, sous ulti, tu cours très très vite, tu vois. Oh là là, c'est this is your moment. This is your time. Ok, let's go. Il est l'heure de faire un discours qui motive les troupes, Chips. Ouais, le problème c'est qu'il y a un blitz quoi. Il y a un blitz et là. Allez, il faut qu'il aille. Allez, poser Ward, allez, Zera, mais. Il a plus son hook. Allez, oh, et... Ça frappe. Ouais, mais je l'ai pas style quoi. C'est pas style, mais là ils ont plus de vie. C'est le moment de les engage. Merde, oh le trap, je suis con, je l'avais pas vu. Ça flash out. Oh, c'est dur. Ah, ils avaient une ward là. Ils avaient une ward. Merde, non, du coup, je sais pas si ça vaut le coup. Ouais. Ah, ouais, là, c'est un coup à se faire. Bah, j'avoue, ça fait mal. Hein. Et le truc, alors pour le coup, c'est que s'ils ont pas un blitz, t'es vraiment free à rat. Attends, la range, elle est très bonne. Tu te positionnes pas trop mal. Et, mais j'ai encore du mal en fait à bien me positionner au moment où je regarde. Au moment où je regarde, j'ai encore du mal à bien me positionner, à prendre le bon pli. C'est, franchement, c'est, il est pas facile à jouer. Hein. Franchement, je trouve qu'il est pas facile à jouer comme carry AD. GA. Non, 700 gold. Et ça, je pense vraiment que c'est pas mal sur lui. Tu vas pouvoir aller prendre le farm à la bot lane. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ou alors moi, j'aurais bien aimé voir des lucidités.
Ah, parce que là, j'avoue, j'ai 10% de réduction de cooldown. Là, de la réduction de cooldown. Ceci dit, 45 secondes, hein, c'est pas beaucoup. Ouais, mais avec 40% de réduction CD, t'imagines un peu combien de fois tu le lances? Ça te fait un ulti à lancer, quoi, il à, est, à 30 il, secondes. Je pense qu'il est à 30 secondes. Ouais. Limite dans un teamfight qui dure, tu peux le lancer ça deux fois. Ça te fait un ulti à 30 secondes. Ça te fait un, enfin, c'est un ulti Blitzcrank. Enfin, non, c'est 18 secondes avec la réduction des Blitzcrank. Non, le Blitzcrank, c'est vraiment. Mais bon, ouais. Aussi, voilà. Fin... Mais 30 secondes, c'est rien du tout. 30 bon, secondes, coup, c'est rien. Tu peux même l'utiliser pour push, pour tout, pour poke sous la tour. Tu poke sous la tour Lucian. C'est peut-être une idée, ouais. Ça met la pression. Donc, à coup de. Bonne de lucidité. Il y a quoi qui fait de la réduction CD en attaque? Ouais, parce que là, du coup, mais, j'avoue, mes bottes du Berserker, limite, j'aurais dû faire des Mercury, des, tu vois. Tu vois, Vélocité ou. Comment s'appelle un. Ah. Un nom. Ouais, j'avoue, j'ai fait les bottes du Berserker en mode. Célérité, Mercure, mais... je pense que c'est pas mal. Enfin, Célérité et Lucidité, je pense que c'est pas mal. Moi, je vais me tester ça. Ah, je crois. Est-ce que j'ai les points? Le gros Q. Pourquoi il lance pas le Q? C'est pas tout le dessus. C'est chelou, ok, pourquoi pas, mais. Bon, il faudrait qu'ils viennent pour une fois, fassiez un teamfight 5v5, parce que si vous voulez parler tout à l'heure, c'est que ça engage jamais quand tout le monde est là. Ouais, pourtant on a Ramus, quoi, donc normalement il est censé pouvoir rentrer dans le tas et vraiment les emmerder. Oh, le bisou qui passe pas. Dommage. Faut vraiment se méfier, quoi, le Blitz là, il m'a eu quelques fois. Vraiment, le Ramus, il taunte le Wukong, comme ça il t'emmerde pas. Et après, t'es vraiment tranquille. Ah, c'est chaud avec le Blitz. Y'a plus de hook, c'est le moment! Allez. Allez. Mais pourquoi il lance pas ce... Je comprends pourquoi il lance pas le A. C'est quoi ce délire? Ah, je sais pas, ta touche qui doit bugger, ouais, par un ulti chips. C'est chaud, c'est bon, il a lancé le Z. Ah, j'ai pas de barrière! Ouais, j'avoue que tu t'appuies sur la bonne touche et on tout. On est d'accord! Ouais, là on est d'accord, j'ai bien regardé, ça l'a pas lancé. Putain, c'est le clavier qui est pourri, quoi. Il y a plein de fois où je me demandais. Ah oh là, du coup, on prend cher sur la fight, mais on a une moins bonne compo de teamfight que je pense. Hein. Franchement, eux, ils ont Swain et Wukong qui rentrent à l'intérieur, c'est horrible. Absolument pas coordonné non plus aussi. Ouais, j'avoue que la coordination laisse un peu à désirer. Il me faut absolument manger, hein, parce que. Est-ce que mon ulti était bon là? Je sais pas. Un peu tardif, du coup. T'es un peu énervé, ouais. Sur ton A, je pense que tu claquais tout, tu mettais ton ulti dans le tas. Oh, ils finissent! Tes potes seraient décidés d'y aller? Mais tout, non. Oh, la fun game pérave. Non, je refuse catégoriquement. Oh merde. Il est trop content à côté. Mais en fait, vraiment, mon pic dans cette game, ça a été mon quadra. Où là, ouais. Je me suis ouais. Et après, ben, plus après, rien, on n'a pas réussi. Après, on a trop philosophé. Mais non, je sais pas, même, j'ai pas réussi. Enfin, notre équipe, on était jamais groupés et tout. Puis, j'ai pas réussi à avoir l'impact que j'avais eu dans le teamfight précédent. Je sais pas. En tout cas, ouais. Je pense honnêtement qu'ils peuvent valoir le coup avec un clavier. Putain, dont la touche A bug pas, quoi. Mais moi, je pense que le perso est pas dégueu, honnêtement. Puis, c'est un style de jeu qui est vraiment intéressant à jouer. C'est très neuf au niveau de l'ulti, enfin, la mécanique, moi, elle me perturbe un peu, c'est assez difficile à utiliser, je trouve. Donc, bah, moi, je vous conseille de le tester. Et tu sais quoi, je crois que j'avais pas de carré AD qui me chauffait, ouais, un moment, mais... Là, ça a l'air marrant. Hein. Ouais, j'ai peut-être envie de le train, quoi. Il a une classe tellement ouais. Ultime. Bah, sur mon quadra, c'était génial, quoi. Oh, tige, mais vraiment scène de film. Sur mon quadra, c'était vraiment Matrix, génial. Quand ils entrent dans le bâtiment... dans la salle avec tous les pylônes. Ouais. Et ah oui, sinon, grande nouvelle, nous avons deux nouveaux t-shirts sur notre boutique eBay, donc n'hésitez pas à les voir. Ils sont plus chers que d'habitude. On le sait, mais en fait, ils coûtent plus cher à produire aussi parce que la matière est 20 fois meilleure. Ils sont vraiment agréables à porter, donc voilà, n'hésitez pas si ça vous dit. C'est la peau douce, Wallet. Carrément, voilà, c'est comme de la crème Dove. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À bientôt.